Salut les bossards, c'est Polo et bienvenue sur Super Mario Odyssey. C'est le moment de continuer notre aventure. La dernière fois, c'est laissé ici. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est se diriger vers la petite pyramide là-bas qui est en l'air parce qu'il a foutu un trou en dentaire. Voyons donc. Ben, dans le sable, je devrais dire ça comme ça. Alors, avant de continuer notre aventure, je tiens à vous dire une petite chose. J'ai lu vos commentaires et plusieurs d'entre vous étaient comme Polo, Polo, t'es pas allé chercher de cette lune. Polo, Polo, pourquoi tu t'en vas? Des mondes sans avoir cherché toutes les lunes, voyons donc. Alors, laissez-moi vous montrer quelque chose. Ceci est la liste de toutes les lunes qu'il y a dans ce monde. Regardez, j'ai manqué plein de lunes, c'est vrai. Je l'avoue, en tout j'en ai que quoi. Je sais même pas j'en ai combien, mais en tout il y en a 69 dans le pays des sables. Et j'en ai pas pogné autant que ce que je voulais là. Mais en tout cas, tout ce que je veux vous dire, c'est que je vais chercher le plus de lunes possible. Mais je ne vais pas m'éterniser dans un monde pendant 5-10 heures juste pour aller tout chercher. Mais, ce qu'on va faire, regardez. Donc, disons que l'objectif est ici. On va se diriger vers l'objectif, on va prendre le plus de lignes possible et on va changer le monde au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Mais je vous promets qu'on va chercher toutes les lunes avant la fin du Let's Play. C'est-à-dire genre, imaginez que je termine de tuer Bowser parce que c'est ce qu'on doit faire à la fin. Eh ben, je vais continuer le Let's Play jusqu'à ce qu'on pogne toutes les lunes. On va revenir dans les mondes précédents pour aller chercher toutes les lunes. C'est tout ce que je voulais vous dire parce que sinon honnêtement... vous allez voir 10-20 vidéos sur le même monde et ça devient redondant et tout. Alors je préfère avancer dans l'histoire et revenir à la fin lorsqu'il faut rechercher toutes les lunes. C'est bon les boys? Bon, en tout cas, pas le temps de niaiser. J'avais vu d'autres trucs ici, hein. En tout cas, tout ce que je voulais vous dire, c'est que c'est impossible de tout prendre dès le début. Ben c'est possible si tu veux t'éterniser dans un monde. Mais c'est pas ce que je veux faire. Ok, alors tout d'abord, ce que je veux faire, c'est aller ici. Il fait super froid, évidemment, parce que j'ai foutu de la merde il y a quelques instants, hein. Bam. Et voilà, il y a mon chapeau que je vais acheter parce que j'ai beaucoup d'argent en ce moment. J'achète. Voilà. Là, attendez, il y a un petit cœur. Ah, je me change. Ouais, ouais, je me change. Allez, let's go. Si. Un petit bijou qui porte votre niveau d'énergie à son maximum. Merci pour ce cœur de soin, mais je vais pas le prendre. Je veux ce caleçon. J'ai tellement envie d'acheter ça, mais ce sera pour plus tard. Alors, on va aller voir l'autre vendeur. Voyons voir s'il a d'autres trucs à nous donner. Salut, boss. Ah, il y a quand même d'autres trucs à nous donner. Mais lui, il faut utiliser du pays des sables money. Mais j'en ai que 30. Je sais pas quoi acheter. Un costume de cowboy, je sais vraiment pas. Vignette du pays des sables. Une vignette inspirée de la pyramide inversée. Statuette de Jaxi, reproduction d'une Jaxi, des effets que fascinante créature utilisée comme moyen de locomotion depuis des siècles. Statuette taillée dans une pierre de ruine. Je sais même pas à quoi sert ces trucs, est-ce que c'est juste des décorations? Mais bon, vous savez quoi? On va prendre le poncho et le sombrero. Voilà. Merci d'être basé, je me sens. Ok, tu as hâte de voir blablabla, sombrero, oui je le veux. Merci d'être basé et je me sens. Bon, ok, maintenant j'ai un super beau costume. Ouais, voilà. Attendez, on va voir ça. Yeah! On va manger des tacos à longueur de journée. Est-ce que t'as quelque chose à me dire? Bon, attends. N'hésite pas à utiliser cette armoire pour désenser. Ok, ce sera pour plus tard, lorsque je voudrais vraiment changer de costume. Bon, alors on va se diriger vers la pyramide. Les gens, ils ont vraiment froid. Je veux voir qu'est-ce que lui y a à dire. Le désert est très dangereux. La nuit, moi, je me déplace toujours en taxi. Ah, ok. Est-ce que je peux aller? Oh. Hello. Ça va? Je suis ce qu'on appelle un taxi. C'est pas un taxi, voyons donc. Tu veux faire un tour? Va falloir que tu craches 30 pièces. Ça fait ton affaire. On y va. Tu fais du tourisme? Dans ce cas, je te conseille d'aller jeter un coup d'œil à la pyramide inversée. Pour les commandes, c'est pas compliqué. Il y a deux options. Freiner et descendre. Ok? Je pars dès que t'es sur mon dos. Accroche-toi que... parce que ça déménage. Ça va. Bon! Wow! Oh! Ok, je peux péter les trucs en glace. Attends. Je me demande si je peux aller là-dedans. Je crois pas que je puisse y aller là, mais bon, en tout cas. Ah, je peux juste péter les petits trucs de glace. Je peux pas péter les gros trucs de glace. Ah, c'est vraiment dommage. Mais bon, attendez une seconde. Vous savez quoi? J'ai jamais exploré cet endroit ici. Alors, on va se diriger là tout d'abord. Ouais, ce que je vais faire, c'est explorer tout l'endroit. Comme, en gros. Je vais prendre le plus de lune possible. Mais je vais pas m'éterniser dans un niveau. C'est aussi simple que ça. Oh! Ok, attendez. Wouh! Et là, je suis en train de freiner, mais... Pépito! Pépito!
Slam! Pow! Colin the Bean! Pow! Ok! Je l'ai! Wouhou! J'ai complètement foiré mon coup, oui! Bon, vous obtenez une lune volatile errant dans le désert. Merci beaucoup! Croyez qu'il y a un moyen de... faire de quoi ici? Oh, peut-être qu'avec ça? Non! Mais, attends, j'ai quand même fait quelque chose d'intéressant! Attendez! Oh. Ok, very good! Donc si je prends tout ça, j'ai une lune peut-être! En plus, j'ai le bon costume! Si vous voyez ce que je veux dire! Sombrero! Et oh, poncho! Very, very good! Bon. Yo, on a déjà pogné deux lunes! Juste en quelques minutes en plus! Et y a-t-il autre chose ici? Ouais, mais c'est juste que comment je fais pour aller en bas selon vous? J'ai une idée! Allez, Pepito! Tranquille! Wow! Ok, j'ai vraiment tenté le coup. Je crois qu'il faut qu'on termine... comment je pourrais dire ça? Je crois qu'il faut qu'on termine... les quêtes principales de ce monde pour faire en sorte que tout soit dégelé. Et ensuite, on pourra faire de quoi? Ouais, parce que pour l'instant, tout est gelé, hein? Bon, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est se diriger ici parce qu'on n'est jamais allé là. Et ensuite, on va faire la quête principale. Comment? Non! Wouh! C'est juste que j'ai fait un drift, oui! Oh! Ah non! Ok, c'est pas aussi facile que ça. Mais bon, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant pour être honnête avec vous. Il y a sûrement des lunes cachées ici et là, mais bon, j'ai rien trouvé pour l'instant. Alors, ce que je veux tenter de faire pour l'instant, c'est faire un petit voyage rapide de cette façonne. On va voir si c'est vraiment rapide. C'est rapide, je l'avoue. Bon, ok, alors, tout ce que je dois faire maintenant, c'est me diriger là-bas. J'espère que je ne vais pas mourir. Là! Wow! Ok, c'est very good. Bon. J'ai essayé de lui rouler dessus, cela n'a pas marché, man! Oh là. Oh! André, ces bonhommes-là ne veulent pas mourir, hein! Ouais! Ils veulent pas mourir! Ok, mais moi je m'en vais d'ici, voyons donc! Quoi? Je suis presque congelé! Ok, je vais remédier à la situation, ne vous en faites pas, les amis! Pow! Je suis sûr que lorsque j'aurai terminé ma quête qui se retrouve en bas, rien ne va être congelé! Enfin, j'espère. Wow! Temple souterrain, 10 effets! Mais là, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est pour revenir à la surface? Ah! Évidemment! Bon! Ok, je vais pas faire la même erreur cette fois-ci! Tu ne cries pas, Mario? Mais d'habitude, tu ferais comme... Non, en tout cas! Il y a sûrement des boulettes bio qui vont me permettre de péter ça. Ok, non. Never mind! Oh, il y a de l'argent! Attends, mais ne tombe pas, Polo! Ne tombe pas, Polo! Wow, ça glisse, vous ne savez pas à quel point là, mais ça glisse. Goomba. Donc, Turbo est sauté. Bon, je vais être honnête avec vous, le Goomba là, ne sert pas à grand chose, hein. Alors, on va le péter la gueule, voilà. Pow. Ok. Ah, ok, alors faudrait que je fasse ça, attendez. Ça ici. Ah, ok, ok, j'ai tout pogné, c'est bon. Oh, y a une montagne de Goomba, regardez ça, attendez, on va prendre celui du haut. Est-ce que je peux tout... Ah, je peux contrôler tout le monde. Oh, attends, si je crève maintenant, là, est-ce que je meurs ou bien, genre... Quand je veux dire, si je perds toutes mes vies, est-ce que je meurs en tant que Mario ou je meurs juste en tant que Goomba?
Non mais c'est tellement drôle, regardez ça. Ok, on va faire un petit test. On va essayer de crever comme ça, juste pour voir ce qui se passe. Ok. J'avais juste 2 vies en tout, il me semble, non? Ou bien j'avais 3 vies, j'en avais comme perdu une. Ok, non, c'est bon, j'ai compris. Même si je suis sous forme Goomba et que je me fasse toucher et tout là, bam, c'est fini, je crève. Si, j'ai plus vie. Ouais, c'est bon, moi comprendo. Je voulais juste faire un petit test. Si on fait jamais de test dans la vie, on va jamais savoir ce qui se passe, hein. Là, attendez, l'argent là-bas, ok, j'ai plus besoin d'aller chercher ça, c'est bon. Bah. Ça devait être petit guidou. Chou. Donne-moi qu'il y a de quoi ici. Comme en haut là. Oh, il y a un Goomba en haut. Oh. Vous croyez que je devrais y aller? Ah, fuck that shit. Je prends pas de risque. Non. Attends. Polo. Oh, j'ai complètement foiré mon coup, Damson. Tous les Goombas sont dead là. Ok, j'ai une idée. Je crois que j'ai une idée. Je sais pas. Ah. Ah, fallait que je fasse ça comme ça. Bon, je vais chercher ça plus tard. Pas trop le choix, n'est-ce pas? Wow. Attends, j'ai rien manqué. Okay. Ouais, la lune qui est là-bas, là, je vais la chercher dans quelques instants. Mais quand j'ai quelques instants, c'est plus tard. Là, pour l'instant. Oh shit! Est-ce que c'est moi ou bien il y avait un sombrero? Je suis même pas sûr. Ben oui, hein! Ok, non, il y a juste un petit chapeau. C'est pas un sombrero, mais bon. Oh, je suis en train de perdre le contrôle de mon bonhomme! Oh oui, c'est vrai! Vous savez quoi? Plusieurs d'entre vous m'ont dit que les noms comme des ennemis qui se retrouvent dans ce jeu en ce moment sont québécois et non français. Par exemple, vous vous rappelez du Boulouf, vous l'appelez Chomp. Et en anglais, c'est Chain Chomp. Moi, j'ai dit plusieurs fois, je préfère comme les noms en anglais parce que d'habitude, je joue les jeux en anglais. Et là, Boulouf, je croyais que c'était un nom français. Mais non, j'ai découvert c'est québécois. Et j'ai quelque chose à vous dire. Vous dites que les noms québécois sont pourris, oui? Ah, bleh! Wouh! Oh non! Oh, la chance! J'ai cru que j'allais crever! Mon nano, où est-ce qu'il est passé? Je l'ai pas pris, man. C'est toi qui me l'as pris. Mais non, c'est pas eux. Voyons donc. Ici? Bah. Ok. Ensuite, je fais quoi? Ah. Oh! Ok. Là, ah. What? Oh. Mon Dieu. What the fuck? Oh, les shit. Ok, ça, c'était trop drôle, oui. Bon, en tout cas, on va prendre ce cœur, comme ça on aura 3 vies. Wow! Yo, tu abuses, man! Oh là! Non! Ok! Il faut qu'il se blesse! Ok, non, il n'y a pas besoin de se blesser, c'est bon! Wouh! Mega punch, la moitié! Pow! Encore un autre coup, il est dead. Allez, one punch man. Je devrais dire 3 punch man. Ok, c'était pas drôle. Chou. Bah. Oh my goodness. J'ai fait mon con. Non. Non! Vas-y, Pepito! Bam! Est-ce que je peux dire dans sa gueule, oui?
Il a un anneau comme percé dans le nez, ça doit faire mal si tu pognes ça, hein? Ça pourrait même te tuer! Ah ben, j'avoue que je l'ai massacré là, mais bon. Anyway! Yes! Vous obtenez une multilune! Merci beaucoup! Ah ben vous voyez! Le froid est parti! Ouais, le froid est parti en voyage! Pur quelle chaleur! Mais en fin de compte, c'est ce qu'on voulait, non? On ne lâche pas, continuons sur notre lancée et rattrapons cette crapule de Bowser! Et là, oh, il faut retourner dans l'Odyssée. Est-ce qu'on a assez de lune de puissance? Lance-moi sur le globe pour vérifier. Oui, on a assez de lune de puissance. Alors, laissez-moi une seconde. Bam! What's up, Toddy? Toad l'astuce. Salut, Mario. Je me suis fixé comme objectif de localiser les lunes pour aider la princesse Peach. Oh! Ça veut dire que j'ai pas besoin de les chercher? Attends, aurais-tu de la difficulté à trouver des lunes? Je peux t'aider si tu veux, ça te coûtera juste 50 pièces. Veux-tu acheter un indice? C'est seulement un indice. On va voir ça a l'air de quoi. Merci, j'ai indiqué l'emplacement d'une lune sur ta carte, tu ne peux pas l'arrêter. J'allais aller là en plus si vous saviez pas. Oh! Hey, c'est cool, ça veut dire que il faut vraiment que j'accumule beaucoup de Super Mario Odyssey Money et de cette façon, je peux acheter des indices. Ah! Bon, au début, je croyais qu'il fallait que je retrouve tout moi-même sans indices, mais c'est cool qu'ils ont implanté quelque chose comme ça dans le jeu. Ouais, vous voyez, le lac Itou n'est plus placé, comme coincé dans la glace. C'est pour ça qu'il faut terminer toutes les quêtes principales du niveau, comme du monde. Et de cette façon, on peut tout débloquer. Vous vous rappelez, c'était gelé ici, je pouvais pas y aller. Maintenant, je peux. C'est trop cool. Est-ce qu'il y a un moyen de plonger? Bon, c'est ça, je crois que je vais toujours me concentrer sur la quête principale et on va revenir plus tard pour aller chercher toutes les lunes. Peut-être à la fin du jeu, je ne sais pas. Bon. Il a réussi à pêcher. Very nice, man. Oh, attendez. Je t'avais pas déjà pogné, toi? What? Ah, ok, ben oui, je l'ai déjà pogné. Alors, what the fuck? C'est un peu plus vers le haut. Ok. Peut-être ici? Oh! Il y avait aucun signe qui me disait qu'il y avait une luna à part, vous savez, ceci là. Mais il y avait pas comme... De trucs brillants ou quoi que ce soit d'habitude. Pour aller repérer une lune, il y a un truc brillant. Mais j'ai appris quelque chose. Cette fois-ci, il faut que je fasse ground pound sur tous les trucs qui sont louches. Ouais. Bam. Pow. Il a mangé toutes mes bananes, oui. Donc, on va passer de 6 lunes à combien? 28, cela veut dire qu'on a trouvé 22 lunes ici. Pas pire. L'Odyssée a gagné en puissance. Merci beaucoup. Il m'en fallait que 15, si je me rappelle bien. Donc j'ai trouvé 22 lunes sur 60, 69, ouais. Ah, cette fois il va falloir y aller au pifomètre. Quel pays il a choisi? Le Bob Bowser. Oh, je peux même choisir les pays. Oh, ok, attends. Ça a l'air nice. Oh, ben ça aussi, ça a l'air nice. Mais on a déjà joué avec le froid, hein? Alors on va aller ici. Ouais, let's go. Nouveau. Oui, au pays de la forêt, moi aussi, je pense qu'il est là-bas. Honnêtement, j'ai dit n'importe quoi. Alors c'est ça. Je vais retourner dans ces endroits plus tard. Lorsque je veux aller chercher toutes les lunes. Pour l'instant, on va juste y aller avec... comme on le dit en anglais, go with the flow. Donc c'est ça. On va juste compléter les quêtes principales. On prend les lunes à gauche, à droite pendant qu'on va vers la quête... Pendant qu'on va faire la quête principale, je suis en train de dire n'importe quoi, tellement j'ai excité. Et lorsqu'on aura terminé le jeu, lorsqu'on aura tué Bowser, on revient dans les anciens mondes pour aller chercher toutes les lunes. C'est bon, les amis? Parce que je crois pas que vous voulez voir 10-15 vidéos de suite dans le même monde. Vous voulez voir à quoi ressemblent les autres mondes. Ouais, ok. Pour commencer, Tiara et maintenant cette bague d'oignon, il faut qu'on les rattrape au plus vite. Bon moment, si on profitait du voyage pour faire un peu de lecture. Astuce de voyage, lancez autoguidé. Oh! Après avoir lancé votre chapeau, secouez à nouveau la manette Pro pour effectuer un lancer autoguidé. Le chapeau se dirigera automatiquement vers la cible la plus proche. Très pratique pour corriger un lancer raté. C'est bon à savoir, non? Ouh, et maintenant, je voudrais en savoir un peu plus sur le pays de la forêt. Apparemment, ils font pousser des fleurs dans une serre géante et la région serait célèbre pour son bouquet d'exception. Ah, je savais pas que lorsque je lance et là je fais ça,
Ça va directement sur un ennemi. Moi, je croyais que ça se dirigeait vers l'endroit où je faisais comme. Où l'endroit où je dirige la manette. Par exemple, si je fais ça vers la gauche, ben la casquette va vers la gauche. Non, ça va directement sur l'ennemi. Même si je fais sur la droite, selon vous. Ah, on va faire un test. On va voir, juste pour le plaisir. Mais ne vous en faites pas, je vais explorer le plus d'endroits possible. Quand on est, par exemple, je vais explorer toute la map, mais je vais pas aller chercher toutes les lunes direct. Ouais, je sais que je me répète beaucoup, mais dans les commentaires, je vois plein de gens me dire des trucs genre « Ah, oh, tu vas pas tout chercher, Polo, come on !» Pas vraiment silencieux, cette forêt, on dirait. Alors, je voulais juste vous donner une petite précision. Ouh. Ah, ah, je peux pas te prendre. Je suis si anxieux que je n'arrive pas à arrêter de pivoter. Oh, mais si seulement je pouvais faire ça, ça serait tellement cool. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Un objet non identifié est passé en volant. Les sbires du monstre Bowser nous volent nos fleurs. C'est très fâcheux. Oh, wow, ok. On va regarder à quoi ressemble la map. Et oui, regardez, vous voyez ici, là? C'est comme un guide de voyage. C'est drôle, on nous dit il y a combien comme de population, quelle est la taille de l'endroit et tout ça. Monnaie, c'est quoi? En forme d'écrou. Ok, on va trouver des écrous. C'est cool qu'ils ont ajouté quelque chose comme ça. C'est pas très net. Ben, en fait. C'est totalement inutile, mais ça nous donne un backstory sur l'endroit. Donc la map ressemble à ceci. On doit aller tout en fond. Mais observons un peu les endroits ici. What? What? Bowser est vraiment passé par là. Et là, ouh! Un endroit pour acheter le truc. Bonjour client, il existe deux types de pièces, les pièces teintes et les pièces teintes. Ok, c'est bon. Donc lui là. Ok, j'ai zéro pièce comme ça, alors je peux rien faire pour l'instant, malheureusement. Bon, y a-t-il un nouveau costume ici? Oh, ok, ici on va trouver des lunes bleues. Ouh, y a quand même beaucoup de costumes. Mais le caleçon là, il se retrouve vraiment partout, c'est super drôle. Mais il faut avouer que l'endroit est quand même beau, hein? Alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois dans ce nouveau monde. Et nous allons trouver une tonne de lunes, ça va être super magnifico. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.